Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite des aventures de Stella. Et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour elle, c'est un grand jour parce qu'elle va s'acheter son nouveau cheval. Voilà, j'en avais marre de ce cheval. Désolée, j'avais envie qu'un joli cheval la suive dans toutes ses aventures. Et donc du coup, c'est aujourd'hui que ça se passe. On va l'acheter tout de suite. Je suis un peu limitée parce que il faut que je reste à Fort Pinta, vu qu'on n'a pas avancé dans nos quêtes. On ne peut pas aller par exemple à la ferme de Steve, enfin à Silver Glade en général. Et comme je voudrais le prendre maintenant, et ben voilà, on a le choix entre ces chevaux-là. Donc on a le Halflinger, le... comment il s'appelle celui-là, un Berman. On a un Paint Horse, un Quarter Horse, un Gotland, un Percheron, un Pasofino, un Islandais et un Pur Sang Arabe. Alors, sur quoi s'est porté mon choix? Parce que je vous avoue que j'y ai réfléchi quand même assez longtemps avant de me décider. Eh bien... un petit peu cheval de Barbie, mais... mon choix se porte sur le Halflinger. Soit Flashlight, soit Starlight. Allez, Starlight. C'est quand même plus poétique que Flashlight. Alors, c'est parti. Voici le cheval de Stella. Starlight. Bienvenue parmi nous. Oh, il est trop chou. Et voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est mignon. Alors, c'est parti pour une petite revue des allures du Halflinger. Commence tranquillement au pas. Eh bien écoutez, ça me semble pas mal du tout. Il est très très tranquille, très calme. Ah, déjà ce que je vois déjà c'est les détails sur l'animation des crins et vraiment c'est vraiment magnifique. Ok, le trot. Très tranquille, très cool, il est vraiment, il inspire vraiment le calme et la sérénité ce cheval, c'est incroyable. C'est moi où il a la tête vraiment perpendiculaire au sol, il se projecte bien. Et bah écoutez, c'est tout mignon, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de saccade. Alors, on va passer au galop. Ah, et un avion. Et bah écoutez, ce petit galop, il est très fluide, très joli, très agréable. Non, il est vraiment, ils l'ont vraiment super bien travaillé ce cheval. Le galop moyen, je regarde juste la transition, ouais. Au galop moyen il relève un petit peu plus la tête. Ah, on sent qu'il a envie d'aller chercher le galop rapide. Mais il reste quand même assez zen. Et on va faire un petit peu de galop rapide, c'est parti. Oui, donc là il étend son encolure, il a la tête beaucoup moins perpendiculaire, pas du tout même. Il bouge beaucoup son encolure de haut en bas. Il va vraiment chercher la puissance pour avancer. Non, il est très joli. Ah, puis l'animation de sa queue est vraiment sublime, franchement. Plus ils sortent de chevaux de troisième génération et plus ils sont peaufinés niveau détail. Oh, ça a l'air pas mal.
Il est très très délicat. Un peu plus rapide pour celui-là. Pas mal du tout. En galop. Ouh. C'est un peu compliqué de conduire avec la caméra dans l'autre sens. Non mais il est magnifique son petit galop, on dirait qu'il danse presque. Et on va faire un petit arrêt brutal. Ok, freinage d'urgence, c'est ok. Le cabré. Oh, il se cabre pas très haut par contre, il ne se foule pas le pépère. Et tant qu'on y est, on va faire le reculé. Le reculé est pas mal du tout. Assez dynamique. Ouais, il tire une tête bizarre. Hein. On dirait que ça le stresse de reculer. Ok. On va se poser 2 secondes pour voir ses petites animations d'attente. Il aime bien les caresses, d'accord. Il regarde en arrière. Il piaffe. Tire la langue. Il est un petit peu pressé de partir, quoi. Il se gratte. Franchement, il est trop mignon. Bon, bah voilà, écoutez, c'est un petit cheval sans problème majeur. Sans problème du tout, même, j'ai l'impression. Très zen. J'ai pas remarqué que ses petites oreilles bougeaient comme ça, c'est trop mignon. Que au galop... Il remue les oreilles. Elles sont un petit peu plus droites. Non, c'est vraiment un super beau poney. Sublime. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et n'hésitez pas à regarder le prochain Let's Play où vous pourrez voir Stella et Starlight ensemble. À bientôt.